Chungu Wemba Diopene Kinkumba, Papa Wemba, il est parti. Et bien sûr, dans notre rubrique actualité, nous allons avoir le témoignage et de l'un de ses amis, l'un de ses proches, à la personne de Marcel, Abbé Marcel Etoamina, bien sûr, Etoamina, c'est l'un des proches, l'une des personnes qui a parlé avec Papa Wemba avant qu'il n'aille à Paris pour faire son contrôle médical et bien sûr avant de revenir à Kinshasa pour aller prester à Abidjan. Et bien sûr, il sera ici avec Gérès qui va les recevoir. Moi, je vous retrouve tout à l'heure. Merci Pichoseng de nous avoir cédé les plateaux et nous sommes là avec Monsieur Abbé Marcel Etoamina, ami de Papa Wemba. Papa Wemba Mina est parti. Comment sentez-vous? C'est l'émotion. Mais au-delà de tout cela, je crois en la résurrection de la chair humaine. Nous sommes pendant la période pascale. C'est juste parce que vous êtes chrétien ou comment? Moi, je suis convaincu. Par rapport à la prière que j'étais en train de faire sur lui tous ces derniers temps, à son intention, je demandais toujours à Dieu que, étant donné sa grandeur, avant de nous l'enlever, fait qu'il soit dans un succès éclatant qui puisse amener le monde... Ça, c'est votre prière. Oui, qui puisse amener le monde à lui réserver des funérailles vraiment dignes de tout ce qu'il a fait. Bon, je ne pensais pas que cela allait intervenir maintenant. Je pensais que ça allait prendre du temps, mais c'est intervenu maintenant, mais dans une gloire éclatante aussi. Je pourrais l'expliquer. Tu fais aussi chanteur, Viva la Musica. Vous êtes parmi les cofondateurs du groupe Viva la Musica en 1983, c'est ça? Non. Viva la Musica a commencé en 77. Moi, j'étais depuis lors fanatique de Viva la Musica parce que pour moi, dans la liste, dans l'ordre de mes idoles, vous avez Papa Wemba et puis Kester et Kofi. Ce sont des gens vraiment pour qui je suis resté fanatique. Les cofondateurs. Eux, c'était des personnes. Bon, l'histoire va nous amener très loin. Ouais. Mais moi, je n'étais pas cofondateur. Non, je n'étais rien en ce moment-là. J'étais encore gosse. Mais seulement, en 83, quand je finissais les humanités, après la création de Victoria. Alors, moi, j'étais déterminé à chanter dans Viva la Musica. Après l'obtention du diplôme d'État, je suis venu. Donc, vous avez quand même du talent. Oui, parce qu'il m'avait accepté. Il m'avait dit vraiment, vous êtes bon chanteur. Lui me disait même. Mais démontrez quand même, ne fût-ce qu'un a cappella ici, ça me fera du bien. Vous prouvez que vous avez aussi chanté avec Papa. Oui, seulement ma famille n'avait pas voulu que je sois chanteur. Et puis après, je suis allé au grand séminaire et devenu prêtre. Moi, quand vous là, les téléspectateurs, ils ont vu ce bien, bon, on a qui n'a pas parlé. Bon, que na yemba qui n'a yé, bon, et au bima qui podium tout n'y était. Mais que attesta qui n'a pas le bien, oui, aux attentes chanteurs. Oui, oui. Abi, quoi par exemple? Le lo babenginga na sepeli sa monde. Eyambeli yango kokwa kabelinga libonza na loti butu mobimba elongi ya mwanango esekeli ya sheri kanda nyonso pe kosila o inki mambu kadona nga ya somi ya libota bapanga ya Vincent bakoma jalou mpona zuwa o piske ekoma pe eloko bati ya miso aparti na maso bazinga maboko pe bazelaka ndako ya mariage elingi motema elingi moto bokeba. Oui, cela quand même, si vous ne voulez pas parler de toi, je crois qu'il va te respecter avant de se faire. Maintenant, tout le monde a une vidéo, Papa Wemba a quoi un podium en plein concert. Bien, c'est un artiste, tu comprends que Akufina art, Akufina quitté un zindenge et moukwa l'oubakame.
Maintenant, quel souvenir gardez-vous de Papa Wemba? Des souvenirs, j'en ai plein. Quand vous êtes resté longtemps avec quelqu'un, parce que voyez-vous, depuis 83 là, j'ai voulu chanter, il a accepté, ma famille s'est opposée, je suis parti au grand séminaire, devenu prêtre. Avant même de devenir prêtre, j'étais au séminaire ici à Jean 23, on se côtoyait, et puis après, je suis devenu prêtre, mais surtout à Paris, et là vraiment... Ça s'est vraiment encore accéléré. Et bien, des souvenirs, je sais que d'abord, c'est quelqu'un qui parle en bien, même de ceux avec qui on le croit publiquement en conflit. Comme qui? Je donne un exemple. Je suis allé, Papa Wemba m'appelle... On m'appelle, il y avait oui. Cornélie Malongi et Bem Lobobo. Ils m'appellent, ils disent... Abé, toza wana papa Wemba na restaurant, c'était à Paris, et à Lingioya, je suis arrivé. Et comme d'habitude, quand lui est là, on ne met que ses chants, écrits par lui. Mais moi, j'ai demandé qu'on mette Amena Omoi, écrit par Pépé Kalé, mais qu'il est allé chanter dans Viva la musique avec papa Wemba et Menea. Alors, pendant que le chant s'exécutait, Papa Wemba a incliné la tête. Il, ah, abe, yo senginzembo yo, oh, kestera lo baka indusa. Un autre a dit, mais papa, nanzembo yo, kestera yo kanakite a melamaki. Ezaka yona pepe ba grami balé bozo percé. Il dit, non, eza arrangement denge yi mon pepe a lingaki, a lingaki kestera kotaka. Mais... Qu'est-ce que Rabin a bat travaux ya bongo indusa, alingi musique ya bat travaux, batu misato, batu tout batika caché na bango, mais misato Rigo Star son ya solo, emmené ya deuxième voix elengi, ozo yemba na ye. Donc on fait déjà signe à la technique et puis nous sommes presque à la fin. Et puis Kofi, son ya kominzembo, mayele Kofi anango, son a zakanango mbeba banganga na monde. Ah donc, ça c'est ce que dit. Il le dit, il oui, le maintenant, dit. Maintenant nous chitons déjà, on me fait déjà signe que nous sommes presque à la fin. Maintenant, Papa Wemba est parti. Qu'est-ce qui reste encore? Maintenant, il y a quelques grandes choses, des appels à lancer. Oui, vous pouvez lancer. D'abord, un appel à toute la population. Papa Wemba était un homme qui luttait contre... les insanités, les bêtises dans les chants, ouais. Dans les chansons. Il luttait contre l'habillement légère des danseuses. Il luttait contre plusieurs choses là et il comptait beaucoup sur la prière. Alors maintenant qu'il est parti, cessons avec les bobards. Il est mort de ceci, il y avait cela, non. C'est comme Kofi l'a dit, laissons que ces funérailles se fassent bien. Et le gouvernement n'a qu'à savoir que Zaïko, Viva la Musica, ce ne sont pas des choses, des orchestres à laisser s'éteindre. Et maintenant, Kofi n'a qu'à savoir aussi qu'il a un devoir sur Viva la Musica. Maintenant, Molokai, tu as dit Molokai? Molokai alobi matanga fois à la pana bango. Et maintenant, gouvernement pe a reçu un yango et qui est dans le stade de Marti ou n'a pas dit pepe. Mais Molokai alobi que non matanga ana. Et vous allez dans le couloir Madia. Dans la minute, Molokai matanga déjà. Et vous créez des ordres. J'y suis allé hier dès que l'isolo et Bimaki. N'a eu qu'à qui bagarre ou anate. Mais moi, je crois que. Ye azalaki lisusu eloko kaka ya famite akomaki ya batu nyonso. Bon, lelo yo avant ebembe eya et ça c'est ce que m'a dit Kadusa très proche à Papa Wemba kokoka lobi na tunya bino to solo liwana ke non mère Amazon azaka na route Saint-Genèse na ma campagne ba population tozo ya wana na Molokai soki ebembe komiko ya po nyonso tozo zela kaka
programme ya gouvernement. Gouvernement muto ako pesa eko ya kan, gouvernement muto aza ko financer, gouvernement muto ako loba eko zala wapi, tozo zela gouvernement loba. Ça, c'est l'entretien qu'on a eu hier avec Kadusa. Et ça m'étonnerait que Nayo Kakibangoba loba, donc, quoi qu'il en soit. Je crois que nous sommes presque à la fin de cette rubrique invité. Je ne sais pas si vous avez un mot, le dernier mot, juste un petit mot, ou saluer quelques personnes. Moi, je suis contre ce système-là de Mabanga, mais le dernier mot que je vais dire, parce que ce n'est pas de l'exhibition, on est peiné, on est choqué. C'est ça. Oui, donc le dernier mot, c'est l'appel, je reprends l'appel que j'ai lancé là, donc l'appel à tous les musiciens, à tous les artistes musiciens, qu'ils sachent qu'ils ont une grande responsabilité dans le développement de ce pays. Par le travail qu'ils font, qu'ils ne prennent pas ça à la légère. Qu'ils sachent que celui qui vient de partir a beaucoup travaillé pour leur formation. Il a aussi, il avait beaucoup d'ambition pour le développement du pays. Et aussi, appel au gouvernement et aux anciens de Viva la Musica, dont par exemple Kofi. Les autres sont venus après. Mais Kofi, même si il dit qu'il n'est pas de Viva la Musica vraiment, mais au moins il a été pionnier de cet orchestre là. Donc qu'il sache qu'il a un devoir pour que cet orchestre ne soit pas. Nous sommes presque.